Bonjour tout le monde et bonjour Simba! Calme-toi chérie, s'il te plaît, calme-toi! Bonne année, fils de p... Les chats dans le monde des humains sont plutôt très appréciés, voire même trop appréciés. Un tel point que si tu mets une vidéo de chat sur n'importe quelle plateforme, eh ben ça donne ça. Putain mec, ça me saoule 10 000 vues pour une vidéo sur laquelle j'ai travaillé presque pendant une semaine. Putain mec, et moi j'ai posté une vidéo de mon chat et j'ai fait 1 million de vues. Attends, t'as fait 1 million de vues parce que t'as filmé ton chat en train de se lécher les couilles. T'as vu, c'est trop cool hein? Ça dérange pas si je filme ton chat pour ma prochaine vidéo? Non, aucun problème. Je veux 30% des revenus. 30%? Allez, 50. Ah, t'es dur en affaire. Ah, le business, mon pote. Non, attends, non, on va y avoir 20%. Il est vrai que les chats sont vraiment partout. Sur les réseaux sociaux, dans les publicités, il y a même des chansons qui représentent les chats. Ah, mais t'inquiète, mec, ça va marcher. Ouais, mais elle dure 12 heures, ta vidéo. Justement, tu peux mettre plus de pubs. Ils sont même dans certains mots ou expressions qu'on utilise au quotidien. J'avais... Oh, enculé. Je reviens. J'ai d'autres chats à fouetter. Mais mec, tu fais quoi? Bah ça se voit pas, je donne ma langue au chat. Oh non mec, me dis pas que t'as le Covid. Non, j'avais juste un chat dans la gorge, regarde. Attends, fais voir. Ah ouais mec, t'as vraiment un chat dans la gorge. J'ai fait. Ouais, faut vraiment que t'ailles consulter un médecin mon pote. Ouais, je sais. Dernière fois que je mange au resto, je suis là, putain. Vraiment, dernière fois. Bon, après moi, il y a un truc que je dois vous dire. C'est que j'aime pas les chats. Alors oui, je sais, à chaque fois que je dis ça, j'ai droit à des réflexions de balles de ce type. Comment ça, t'aimes pas les chats? Mais espèce de nazi de merde! On devrait rétablir la peine de mort pour toi! T'as pas d'humanité, t'es un énorme fils de pute! Non mais, t'es même plus mon pote, me parle plus! Il s'est passé quoi avec Kevin, là? Bon, rien, j'ai juste dit que j'aimais pas les chats. Mais t'es vraiment un enculé, mais vraiment un putain de raciste de merde, en fait! C'est pas possible, des gens comme toi! Faut vraiment rétablir la peine de mort pour les gens comme toi, sale rital de merde, fasciste de merde! Alors si déjà je n'aime pas les chats, c'est parce que ça ne sert à rien. Et en plus, ils passent tout leur temps à faire des trucs chiants du type... Betty, tu vois pas que je suis en train d'écrire une vidéo? Allez, on descend de là. Voilà. Bon, j'en étais où? Alors en plus, ce chat, que tu ne l'aimes ou pas, eh ben, il en a rien à foutre de toi. Non mais je veux dire, si on pouvait entendre ce que les chats pensent, eh ben on entendrait ça. Moi, tu sais que je t'aime, et toi? Oui. Ben moi, je ne t'aime pas du tout. Je souhaite même de devoir crever. Oh, tu sais que j'adore les chats, mais t'es mon préféré. J'en ai rien à foutre. T'es vraiment un tout petit chat mignon. Ça se voit que t'es gentil, t'es inoffensif, mais oui, t'es un petit chat tout mignon. Je suis peut-être mignon, mais nous sommes venus sur Terre pour exterminer tous les humains. Bon, va me chercher des croquettes maintenant, esclave. Ouais, puis je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'ils complotent sur nous. Je sais pas, avec leurs petites têtes, là, leurs petites patounes, leurs petites moustaches et leurs regards douteux. Je sais pas, j'ai l'impression que... Je suis sûr qu'ils doivent comploter un truc. Sachant qu'il fut un temps en Égypte où ils étaient considérés carrément comme des dieux. Je sais que c'est toi qui as construit les pyramides, toi et ton espèce, regarde-moi! Je sais que vous venez pas de cette planète, parle, d'où vous venez? Oh, je suis tellement désolé de t'avoir parlé comme ça, t'es tellement mignonne. Et merde! C'est déjà le 5e agent qui se fait avoir. Ces chats sont beaucoup trop forts. Vous regardez quoi? Alors non seulement ils ont l'air coupables, mais en plus de ça, tu veux faire quoi avec un chat? Non, parce que si t'essaies de jouer avec, eh ben ça sert à rien. Regarde, Betty, vas-y, va chercher. Betty. Bon, je crois que je suis de moi. Alors je connais des gens qui s'amusent à leur gratter le ventre, et lui, le chat, en échange, bah il va interagir en griffant un petit peu les mains et tout. Honnêtement, quelle est l'utilité de jouer avec son chat si c'est pour finir comme ça? Mec, je pense que tu devrais arrêter de jouer avec ton chat. Mais je vois pas pourquoi vous dites ça. Moi j'aime bien jouer avec mon chat. En plus je la trouve très douce. Après, le comportement des chats, c'est quand même assez space. Heureusement que nous les humains, on se comporte pas comme eux. Putain, c'est dégueu! Ah putain, désolé mec. Alors, je crache beaucoup de boules de poils, je sais pas ce que j'ai, sûrement des allergies. Mec, tu peux descendre de là s'il te plaît? Mais pourquoi tu veux que je descende de là? Je suis bien ici! Mais parce que t'es en train de marcher sur mon clavier là! Ah oui, merde, pardon, désolé. Putain, on peut jamais être tranquille, c'est incroyable.
Alors, comme vous l'avez constaté lors de cette vidéo, à aucun moment je n'ai employé le féminin du mot chat. Je vous rassure, il n'y a rien de sexiste. C'est juste que je suis jamais vraiment à l'aise de le dire, contrairement à certains. Et Lib, t'as fait quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, rien de spécial. J'ai passé la journée à caresser la chatte de ma mère, quoi. Ouais, et 2 minutes les gars, là, je dois juste aller sécher ma chatte parce qu'elle est trempe, elle va m'en mettre partout là. Hein. Ouais, en fait, je vous ai pas dit, j'ai 3 petites chattes à la maison, elles commencent à avoir des poils comme ça, tout doux. Vous en voulez une ? Bon, vous la voulez la chatte ou pas ? Ouais, je vous ai pas dit là, ma femme elle me fait la gueule depuis 3 jours. Ah ouais, pourquoi ? Mais parce que j'ai joué avec la chatte à la voisine. Écoute Lib, c'est rien contre toi, hein. Mais tu pourrais pas dire le chat au lieu de la chatte parce que nous ça nous met un peu mal à l'aise. Ah mais moi j'ai jamais parlé de l'animal là. Moi je suis allergique au chat. Moi je parle du minot. Et voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que chat vous a plu. Vous me faites rire. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur mon Discord, la communauté, pour discuter un petit peu avec les abonnés, ça peut toujours être sympa. Et n'oubliez pas, si vous aimez les chats... Oh merde, désolé, encore ma faute, désolé.